Salut à tous, c'est Mato, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après presque 2 ans d'absence, le youtubeur le plus petit coup du YouTube game fait son retour sur un serveur légendaire, Survival World. Je sais pas si vous avez connu ma série sur Survival World. La dernière vidéo c'était il y a presque 2 ans. Ça me rappelle de quand même de beaux souvenirs. Sachez d'ailleurs que ma toute première série c'était sur ce serveur. Alors ça date vraiment beaucoup de 2017 je crois ou 2018. Je sais plus exactement. J'avais fait une V2 en 2019, mais après plus rien sur le serveur. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque j'étais avec un de mes plus grands amis Kikou que je connaisse, donc ce mec qui vole là, Lio, plus communément appelé LOL, même si LOL ça date, mais quand même. Donc pour vous dire, à l'époque j'avais cette voix. Salut à tous, c'est Mato, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec. Ouais, c'est pas fameux, ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas Survival World, c'est un serveur survie français, un des tout premiers serveurs sur lequel j'ai été. J'ai fait un nombre de survies incroyables dessus, déjà entre les deux séries que je vous ai présentées, plus d'autres survies avec Lio. Il pourra en témoigner. Donc flemme de faire une intro plus longue, donc je vais directement commencer. Donc bien sûr, je vais commencer par me faire une base. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une commande sur le serveur qui permet de se téléporter à un endroit random de la map, donc c'est slash RTP. Bon, je vais pas flouter les coordonnées pour ceux qui veulent venir voir, vous avez les coordonnées. Bien sûr, on va inviter le Kikou à se TP. Donc on va commencer par se faire une petite base. Alors comme vous pouvez voir sur le serveur, il y a quand même d'autres mécanismes, comme par exemple l'argent et les jobs. Donc pour l'instant, je suis à 2 300 € et j'ai un niveau de job à 9. Bon, on va pas se mentir, il y a quelques années, j'avais un niveau de job à plus de 30 ou quelque chose comme ça. Et j'avais au moins 50K, mais bon, j'ai le seum parce que c'est parti. Bon, tiens, lui là, frère, il me fait peur, hein, le mec qui me suit là, avec son vieux skin. Donc trêve de blabla, on va commencer la base. Alors cependant, je suis quand même pas entièrement débile, vous inquiétez pas, je vais l'en protéger un minimum. Ce qui est bien, c'est que sur le serveur, vous pouvez claim des chunks, comme le nous le dit Lio. Alors, il faut que je me souvienne un petit peu de comment ça fonctionne. Il me semble que c'est au chunk. Alors Lio me dit que c'est le nombre de blocs par rapport où on est, je sais pas tout ça, j'en ai plus aucune idée. Bon, pour le slash claim, je propose qu'on le fasse proche d'une forêt, donc par là. Alors il y a Lio qui me propose une petite commande, donc je vais la tester. Ah ouais, je crois que c'est vision nocturne, mais ah ouais, ok, stylé. Si vous vous demandez, il m'entend là au moment où on parle, on est sur Discord en même temps. Donc pour le slash claim, je vais le faire ici, je pense. Donc je vais faire mon claim, je vais faire un claim en 25 x 25, c'est assez grand, je pense. Alors à la limite, je peux faire en 50 x 50. Lio, qu'est-ce que tu nous proposes? Pas de réponse. Bon, on va faire un 25 x 25 du coup. Le plus grand. Ah ouais, d'accord. Ouais, il est motivé, hein. Donc le plus grand, c'est en 50 x 50, donc je vais sacrifier mon argent. Quel nom souhaitez nous donner à votre région? Écrivez dans le chat la réponse ou exit pour annuler. J'aimerais bien mettre Matoland, mais ouais, c'est un peu égoïste. Kikuland, ouais, vas-y, pourquoi pas en vrai. Kikuland, voilà. Donc ce qui fait un assez grand terrain en vrai. Ah oui, c'est vraiment grand en fait le 50 x 50. On aura de la place, je pense. Je vais juste faire des piliers pour qu'on puisse voir les limites. Donc la limite, c'est ce bloc-là. Pour quitter le mode de visualisation de... Ouais, mais frère, ça... Je vois pas ce qui est écrit. Ouais, c'est relou parce que du coup, il va falloir que je baisse la taille de lui. Ah, il faut sneak. Êtes-vous sûr? Bah ouais, hein. Bon, je vais remettre la taille en normal. C'est affreux comme ça. Voilà, je vais remettre ça en auto et nickel. Putain, je vais lui demander. Ah, c'est bon, nice, il peut plus casser. Maintenant, est-ce que je fais une dictature et je n'ajoute pas le Yo? Vas-y, je suis pas méchant, je vais le rajouter. Alors, rajoutez un membre. Écrivez le pseudo de la personne que vous voulez rajouter. C'est Green Lio. Ah, nice, c'est bon. Tiens, on peut voir que je commence à XP les jobs là, donc survivant. What? Je crois qu'il y a un. Attends, frère, il s'est passé quoi là? Au moins, ce qui est bien, c'est que je peux récupérer tout mon stuff, ça c'est cool. Juste un creeper, t'inquiète, bon, ok, ça va. Je vais voir, c'est où l'autre limite du chunk? Ah, c'est là-bas. Bon, là-dedans, je pense qu'on a la place de mettre quand même pas mal de place. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. De mettre pas mal de choses plutôt. Une statue du grand Mato, bah pourquoi pas, hein. Lui aussi, t'es motivé à la faire. Avec un petit geek dessus. Ah, c'est rigolo, hein. Donc, je commence par me faire une petite maison. Alors, je vais faire ma maison à un angle parce que j'aime bien les angles. Ah, par contre, c'est relou parce que bah, y a une partie de ma maison qui est dans l'eau. Ce qui n'est pas très agréable. Non, non, ferme pas l'eau. Je vais faire un petit lac à côté de ma maison. Bon, toutou. Mauvais toutou. Mais c'est vraiment Kikou ce gars. Bon, ça fait quand même presque. Enfin, pas très longtemps que je suis là, hein, mais je suis toujours pas fait de table de craft. Bon, ça fait ultra longtemps que je suis pas venu, frère. Et il y a ce truc bizarre là, comme. Enfin, je sais pas, c'est pas une vraie table de craft ça. Ah, tiens, je peux changer quand même. Donc, on va se commencer par se faire la base. Donc, une pioche en bois. Et comme ça, je pourrais chercher un petit peu de pierre. Alors, il faut que je fasse quand même un souterrain à ma maison. Parce que, ben, regardez quand même comment elle est profonde. Comparé à la partie. Enfin, ça, c'est la partie à peu près normale du claim. Même si y a Lio qui commence le terraformage. Donc, je vais mettre ma mine dans le sous-sol en question. Bon, j'ai faim là. Hein, je sais pas vous. Je sais que vous pouvez pas me répondre, mais quand même. Bon, comme ça, je vais faire une petite pelle et aller un petit peu plus vite pour creuser parce que là, c'est quand même long. Alors, il y a Lio qui me fait une remarque très intéressante, c'est que si j'ai pain, bah, j'ai du pain. Pas con, Lio, pas con. Donc, du coup, voilà l'endroit où je ferai ma maison. Je sais pas où Lio va faire la sienne. Alors, je sais pas s'il va faire sa maison sur tout ce terrain ou pas, ou s'il va faire un truc comme moi, assez sobre. Sachant qu'il y a comme une grande partie qui est hors du claim, donc je comprends pas son move. Donc, comme je suis un gars pas original, je vais faire ma maison en bois. Tiens, je viens de réfléchir, mais là, je suis dans une version du jeu qui accepte les morceaux de bois écorchés. Le jeu
projet en 1.18, donc ouais, bah ça accepte. Donc ok, ouais, c'est bon, ça accepte. Alors cependant, je vais éviter de faire une grosse erreur que je pourrais faire. En gros, vous savez, ma mine, si je descends, eh ben je suis plus dans mon claim. Donc il faudra que je pense à mettre une porte sur la mine, donc ici. Parce que quand j'aurai une belle maison et tout, s'il y a un mec qui arrive à rentrer en creusant en dessous et en allant dans ma mine, et du coup en rentrant dans ma maison, bah ça serait relou. D'ailleurs, j'invite Lio et tous ceux qui me rejoindront à faire pareil. Parce que comparé à toutes les séries que j'ai faites, j'essaierai d'inviter le plus de monde possible sur cette série, que ce soit des abonnés ou pas. Bon, j'inviterai pas n'importe qui non plus, mais j'inviterai quand même pas mal de gens. Donc, par exemple, Costax, Totoro, tout ça. Ça fait très longtemps qu'ils sont pas apparus sur ma chaîne d'ailleurs. D'ailleurs, Costax, il va avoir un nouveau PC, je sais pas si vous le savez. Wesh, on a des voisins. Comment ça, on a des voisins? Attends, il est parti où, Lio? Viens voir, attends, je vais aller voir. Ça serait stylé de faire une collab avec eux en vrai. Ah ouais, effectivement, il y a des mecs qui sont déjà venus ici. Je vais voir c'est qui les noms des joueurs. J'imagine qu'ils ont. Ah, mais non. Enfin, mec, on n'a pas des voisins, c'est juste un village. T'es pas très intelligent, Lio. Ça a pas été loot, mais ouais, c'est normal parce que quand même, il y a un village, voilà quoi, c'est rare. Hein. Par contre, il faut que je pense à faire un truc, Lio, faudra que tu le fasses aussi, c'est le slash home. Donc, le slash set home, ça permet en gros de créer un endroit où on pourra se TP de n'importe où. Alors, cependant, j'ai déjà des homes. Du coup, je vais créer un home ici qui s'appelle base. En fait, en gros, si je fais le slash home base, donc que je viens de créer, vous pouvez voir que ça va m'y téléporter. Par contre, j'ai deux hommes et je vois pas c'est lequel. J'ai mine et bas. Attendez, c'est quoi? C'est déjà ce qui est cool, c'est que j'ai un peu de ressources ici. Alors cependant, où est-ce que je suis précisément? Là, je sais pas. Bon, tant pis, je vais en profiter un peu. Hein. Oh là là. Et la chance que j'ai là, je viens de trouver du diamant, c'est incroyable. Par contre, elle est pas mal cette mine. Hein. Je sais même pas où je suis. C'est des coordonnées que j'ai jamais vues de ma vie, pour être sincère. What the fuck? Franchement, s'il y a du diamant, je dis pas non. Hein. Comment ça se fait que tu as un homme là-bas si tu as jamais vu les coordonnées? Ben, je sais pas. Je pense que j'ai dû être venu ici il y a très longtemps. Et ben, je m'en souviens pas. Alors, je sais pas combien de diamants dans ce filon. Il y en a 3. Bon, c'est pas. Attends, il y en a 4. C'est cool. Alors, ça, je vais le mettre précisément dans mon Under Chest. Pour être sûr de pas le perdre. Parce que là, si je devais le perdre d'une façon nulle, vraiment, j'aurais le seum. En vrai, je vais pas rester ici très longtemps. Parce que, ben, flemme. Juste d'arriver, j'ai la flemme de miner. Je minerai hors cam. Je vais me téléporter à ma base directement. Comment c'est bien parce que j'ai un four. Je vais le mettre ici. Quoique, non, parce qu'ici, je vais faire l'entrée de ma mine. Ce sera pas le plus adapté. Je vais le mettre ici plutôt. J'ai commencé à faire mes murs, donc qui seront faits en cobble. T'es toujours aussi fort en build? Bah bien sûr mec, bien sûr. J'ai prévu de faire dans pas longtemps une vidéo sur le build battle de Hypixel. Et vous allez voir que mon talent build n'a en aucun cas diminué. Je vais en profiter pour mettre une porte ici. Alors là ce qu'il me faudrait ce serait des pousses d'arbres. Tout simplement parce que des chaînes il y en a vraiment pas beaucoup. À part celui-là d'ailleurs j'en vois pas d'autres. Mais j'aimerais bien faire un petit peu de chaînes dans ma déco. J'en ai, ah ben nickel. Alors on a le type d'arbre que je déteste. Donc avec 100 000 branches qui partent partout. Moi ça va, c'est pas un gros arbre mais quand même. Donc ce que j'ai prévu ici et là en fait partout je peux mettre de fenêtres. D'ailleurs je pourrais mettre des fenêtres nulle part. C'est de mettre de ce bois là mais écorché. Donc un truc un peu comme ça. Et avec au-dessus une autre couche de cobblestone, donc comme ça. Donc pour l'instant ça donne un truc comme ça. Donc ça sera mon un petit peu ma cave. Mon rez-de-chaussée il sera ici où je pourrais directement accéder à mon à la partie supérieure du claim. Et je ferai ça certainement au prochain épisode. Je ferai aussi tous les murs là et la porte aussi que je mettrai ici au prochain épisode. Alors avant de se quitter, faut que je vous montre un truc vite fait. Sur Minecraft, vous pouvez voter pour vos serveurs préférés. Donc sur les sites spécialisés pour faire à ce que les serveurs soient le plus votés possible. Plus ils sont votés, plus ils sont hauts sur la sur le truc de recherche des serveurs. Bon, je sais pas comment expliquer, mais c'est expliqué sur les sites. Et donc si vous votez sur pour le serveur, ça vous permet de gagner ce qu'on appelle des clés de vote. Donc des clés de vote, ça vous permet d'avoir du stuff gratuit. Donc ben, je vais les farmer dès maintenant. A few moments later. Bon après quelques recherches j'ai découvert que je crois qu'il faut un temps de jeu minimum pour pouvoir voter. Donc ben moi je n'en ai pas assez donc je peux pas. Pas de combien c'est exactement, j'ai pas réussi à trouver. Tout ce que je sais c'est que je peux pas voter. Bon c'est pas grave, je ferai ça au prochain épisode. Donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Car n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et tout. Donc c'est mon retour sur ce serveur incroyable après 2 ans de d'absence. Lui au pouce rouge, ouais il sait pas ce qu'il dit lui. Alors pour ceux qui se demandent, oui je compte faire bien une série sur le serveur. Ça ne m'empêchera pas de faire une vidéo lambda le week-end et le mercredi. Mais les vidéos sur Survival World elles sortiront aussi le week-end ou le mercredi. Pour l'instant je sais pas exactement du planning que je ferai. Mais bon j'essaierai de m'organiser. Avec ceux qui couent et bien sûr tous les autres qui couent qui m'en voudront me rejoindre. Donc du coup je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de claim. Et sur ce je vous dis à plus.